Osioka, dans l'espace, Ah, c'est bon là, la liaison elle est établie, et ils m'entendent, ouais cool. Et salut les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de TBG. Aujourd'hui je suis un petit peu loin, d'ailleurs ça doit s'entendre un petit peu. Il faut que je règle le mélange, j'ai trop mis de thé, je vous avais pas à savoir. Oui, je suis à nouveau dans l'espace. Ben oui, je vous avais dit que j'en avais marre de cette planète, avec tous les gens qui font que des conneries, ces politiques qui nous prennent pour des cons, ces religieux qui nous prennent pour des cons, bref, une majorité de nantis qui nous prennent pour des cons, mine de rien, et alors que nous, on est plus nombreux qu'eux, et qu'on fait que s'oublier, il y a un problème. Alors il y a deux solutions, la première, c'est de leur péter la gueule. Oui, je fais un grand silence, parce que j'aimerais bien voir les actions. La seconde, vu que la première se fait pas, c'est de se barrer. Donc je suis dans l'espace aujourd'hui, et c'est bien, c'est confortable, je suis loin de vous, je suis loin de la Terre, et c'est vraiment agréable. Comment j'ai fait, vous me direz? J'ai un nouvel employeur, oui. Et ce nouvel employeur, il a pour but de coloniser pas mal de planètes pour, comment dirais-je? Oui, c'est la journée des grands silences. Pour piller ces planètes et piller toutes leurs ressources, tout simplement. Puisqu'il n'est rien d'autre qu'un humain, lui aussi. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on appelle un... Ce jeu, il s'appelle Journey. Journey to the Savage Planet. Et il va m'emmener très très loin. Là, je viens juste de me faire décryogéniser. Je suis encore dans la douche, hein, vous pouvez entendre le bruit derrière. Et du coup, je vais aller sur le pont principal, voir ce qui se passe, voir ce qui se trame, puisque je suis pas loin d'être amené vers ma planète, celle qui m'a été désignée, et voir les différentes missions qu'on m'a attribuées, pour peu qu'on me guide un peu. Allez, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, on y est, ça va mieux. Ouf, à quoi vous allez, les amis? Moi, après une bonne douche spatiale à base de sable, en général, ça va super, super bien. Puis alors pourquoi je prends ma douche avec le masque? C'est le règlement qui veut ça, hein, je suis désolé. Oui, on a des eaux qui sont recyclées et on est plusieurs à s'en servir et il peut se passer une contamination assez dense. Je sais pas si vous avez entendu parler des coronavirus. Non? Ouais, bah voilà, bah on fait gaffe pareil dans l'espace. Parce qu'en plus c'est confiné, ça veut dire que s'il y en a un qui est malade, tout le monde est malade, on est sûr quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir quitter la station et aller faire mon exploration moi-même, sur ma planète. Oui, parce qu'on est, plusieurs là, sur le gros vaisseau, mais on va être dispatchés chacun sur sa petite planète, puisque notre entreprise nous a demandé des choses relativement précises, mais elle n'a pas tout dévoilé encore. On va l'apprendre au fur et à mesure. Vous venez, on y va. Salut, je m'appelle Martin Tweed, je suis PDG de Kindred Aerospace. Oui, il y a un truc. Merci de participer au programme Pioneer. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Le jeu est développé par un studio canadien. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité. C'est mon employeur. À ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricants de batteries et de panneaux solaires conçus pour les climats extrêmes, en passant par notre gamme de chaussures de sport et nos chics vêtements de survie, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! La prochaine étape, c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire, puis pour ça, on a besoin de toi. Nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. Voici la tienne. ARY-26. Ta mission consiste à explorer la surface de la planète, à répertorier ses formes de vie, ses menaces et ses ressources, et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kindred qui en feront l'analyse. Plus tu feras de découvertes, et plus on pourra guider tes recherches et préciser les objectifs. Pour toi et ton ami, si t'en as,
J'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le séjour le plus sûr et le plus agréable possible. Mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement. Mais pas de panique. Ton module d'habitation est équipé d'une imprimante 3D, capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile. Ah, j'allais oublier. Toute ton essence a été utilisée pour le chemin entre la Terre et ta planète. Tu devras donc découvrir une ressource locale et la raffiner en carburant approprié. À moins, bien sûr, que tu décides de quitter la Terre pour toujours. Bon, je veux surtout pas gaspiller ton précieux temps. Je suis sûr que t'as très hâte de partir explorer. Je te souhaite bonne chance. On va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance. À bientôt, et meurs pas, là. Oui, alors, ce voyage est promis à pas mal de conneries, puisque... Alors, on n'a pas le temps de tout lire. Puis ça va trop vite comme tu parles. On y va. Puisque, effectivement, cette équipe de 505 Games qui a développé ce titre... Oh là là. Je vous avais dit que j'étais pas tout seul là-bas. Oh purée, Echo, sti. Mon ordinateur. Alors, très très honnêtement, le doublage canadien apporte une petite touche qui déjà vient enrober l'humour laton de ce jeu, parce que je peux le dévoiler tout de suite. La déconnade, ça va être au programme. Vous avez qu'à voir. Ah bah ça peut être un problème. Même pas une petite poutine. Aïe, 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 ce serait dramatique. Avec des petits oignons là, grillés dessus. Mmh. Oh là là. Et donc je disais, oui, le jeu va vous emmener vers une exploration, mais pas que, qui sera remplie quand même de pas mal de déconnades. Et je reviens sur ce doublage de tabernacle, qui quand même... Oui, je m'en occupe, mais j'ai un stream à faire, poulette. Je sens que mon ordinateur de bord, je vais vite trouver le moyen de débrancher rapidement, parce qu'on va pas trop s'entendre, peut-être. Ah, ça, c'est le poste de pilotage. Il faut que je trouve la console de computer. Oui, on va prendre l'accent américain pour dire un computer, ça doit être les communications. Comme une canalisation, j'allais dire. Donc le jeu nous promet quand même pas mal de rigolades, mais de l'aventure, du suspense et de l'action également. Oui, on est un aventurier. Et du coup, ça peut être assez rigolo si ça malmène un petit peu les standards qu'on connaît tous, puisqu'il y a eu des jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, qui vous ont emmené aux confins de l'univers, quitte à faire n'importe quoi, puisque c'était généré procéduralement, et donc théoriquement, ça n'avait pas de fin. Et du coup, on va voir comment mène ce jeu mène l'aventure. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns de nos explorateurs récemment, j'aurais besoin que tu t'identifies à partir de cette galerie de visages, s'il te plaît. Sans hésiter. Merci, je suis vraiment contente de voir que t'as pas perdu la tête. Allez, prépare-moi mon char que je descende à la planète. Ce serait bien. Je vais finir ce stream, j'aurai l'accent canadien, ça va être dramatique. Oui, alors ça, c'est une de mes faiblesses. Quand je suis quelque part, en moins de 48 heures, en général, je chope l'accent local. Donc, vous me laissez chez les Parisiens, ben, j'ai le petit accent de Titi qui pointe. Vous me laissez chez les Marseillais, c'est pareil, quoi. Bonjour, un serré nom d'explorateur, ça commence bien. Oui, bah, pfff. Le directeur, c'est un petit peu le dirlo de Uber, quoi. Il en a rien à foutre. Vous voyez comme il est heureux, il est plein de pognon. C'est pour ça qu'il est heureux. Il bosse pas, en fait, réellement. Il fait que prendre des décisions à la con en faisant croire qu'il a réfléchi avant. Mais ça reste des décisions à la con, je présume. Ok, c'était super intéressant. Une vidéo. Salut, je m'appelle Martin Tweed. C'est celle qu'on vient de voir sur l'écran. Martin.
Martin ? Merci de participer au programme Pioneer. Non, tu te tais. Aïe, 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 aïe. Alors, je regarde, hein, je découvre en même temps que vous. Oula. D'accord, je pense que ça, c'est les différents achievements, si tu trouves les différentes créatures qu'il y a sur la planète. Et apparemment, il y en a un paquet. Alors, le jeu est donné pour... Je me suis renseigné un petit poil préalablement, quand même. Pour une douzaine d'heures, il me semble. Ce qui est quand même pas mal. Puis, on va voir la taille du monde à explorer aussi, parce que c'est... On peut s'égarer. Avec moi, ça peut être 25 heures. Mais on se connaît pas tant que ça, ma belle, dis donc. Je te permets pas de me démoléculariser. On pourrait passer à un resto ensemble déjà d'abord, non? Aïe aïe aïe. Le téléprouteur. Le téléprouteur. Il n'y a pas de téléprouteur. Si, si. Il y a un téléprouteur. Et donc nous allons aller sur la planète qui nous a été attribuée. Alors, petit point technique, j'ai pas réglé le jeu à fond pour vous donner une idée de ce que ça donne sur la babasse de Monsieur Tout-le-Monde. Bienvenue sur AARY26. Ça ressemble pas vraiment à une planète, on dirait plus un gigantesque champ de roche. Cette mission devient soudainement 10 fois plus intéressante et 2 fois plus dangereuse. Et elle est toute contente. D'accord, je me suis encore garé comme une princesse, moi. Aïe, aïe, aïe. Et donc, je vous disais, oui, j'ai pas mis les options à fond pour vous donner un aperçu du jeu tel qu'il sera sur la babasse de Monsieur Tout-le-Monde. Sachez que si vous avez une babasse de compète, bien entendu, vous pouvez enclencher les options à fond. Et là, vous allez avoir une distance d'affichage qui peut être vachement impressionnante et très, très intéressante pour renforcer l'immersion. Et puis, un rendu qui sera un petit poil plus poussé. Là, je suis en réglage, on va dire, moyen. Et en 720p. La seule bouffe dans tout l'univers qui goûte exactement le son café. Grob. Ça m'inspire pas du tout, je sais pas pour vous. Grob. Je vais pas développer, ce sera mieux. Elle m'a dit que j'avais des drones derrière dans mon truc. Afficher l'objectif. Ok. Bien, ils ont même prévu pour les bonnets. Courir en enfonçant le stick gauche. De points, normalement ça marche. Voilà. Pardon. Oula, mais j'ai une armée de drones. Cool. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Ok. Le Javelin est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. C'est vrai que je l'ai parqué un petit peu comme un... Comme un char d'assaut. D'accord, j'ai pas d'armes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle que j'ai pas d'armes. Ça veut dire que j'ai des canettes de bouffe dans la main gauche, notamment. Et que je vais me servir de ça pour distraire la faune locale qui m'est totalement inconnue et dont je ne connais pas le niveau d'hostilité. Je trouve pas ça super sympa de la part de mon employeur en fait. Scanner. Alors ok, je peux scanner les objets, comme ça les ajoute, je présume, à une database que je dois avoir quelque part, de mon IA, qui est très bavarde. Toujours positif, toujours. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et le scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton rapport pour réafficher son emplacement. Ok. Bref. Ça scanne. Oui, je scanne tout moi aujourd'hui. Hein. Je découvre. C'est mon premier jour. Te copiera dans sa mémoire et effacera ton corps.
avant d'imprimer une copie 2 mètres plus loin. Tu te rends compte? Quand on se téléporte, en fait, on est une copie, on n'est plus la même personne, elle a été détruite. Si ça vous fait pas peur, et je viens de là. Hein. Donc paix à mon moi précédent de il y a quelques minutes, qui, moi j'en suis persuadé, n'était pas exactement comme moi. Moi je suis beaucoup mieux. C'est pas supposé ressembler à ça du tout. J'étais un petit peu cassé quand même mon truc, non, il me semble. Bon, faut que je trouve un panneau. Un panneau. Puis on va aller voir ce qui se passe, hein. Là, il y a trop de couleurs pour que j'y aille. Vous savez que je suis colorophobe. Comment ça, il n'existe pas, cette maladie? Je vous garantis que si. Jeter. Plutch. Courir. Plutch, plutch. Ah, des bêtes, et des bêtes. Ah, coucher. Bon, ça a pas l'air super méchant, mais coucher quand même. Qui ont fait des caca. Je peux analyser le caca? Putain, oui. Du cristal de sel, donc le caca de ces bestioles, c'est du sel pour moi, du sel de table. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues, thérapeutiques. Ah. Ah. Faudrait que je m'en occupe, mais j'ai rien pour les éclater. C'est triste. Accroupi. Ah si, je peux taper dessus. Bon, je suis full en santé, donc ça fait pas grand-chose. Eux, ils sont pas très hostiles, ça va. Qu'est-ce qu'ils veulent autour de ce truc? Du miam? Vous voulez du miam? Oh, les pioupes. Comment je jette, ça? Hop, à chercher. Ouh, ça, c'est le bon bouillage. Ouh, c'est le bon bouillage à chaud papa. Oh, regardez-moi ça, comme ils sont contents. Tiens, encore une. Je vais en prendre un discretos, là, dans la réserve. Qu'est-ce qu'ils... Il me pète dessus. D'accord, donc c'est peut-être mieux de pas tuer la faune locale, mais de s'en servir pour ses capacités. Alors eux, quand ils pètent, ils me libèrent un élément. Je sais pas ce que c'est. Pardon. Pousse-toi. Ah, j'ai un zoom aussi, pratique. Est-ce que je peux y... Non. Je gifle, c'est déjà ça. Bon, j'étais venu chercher quoi? Un truc qui a 13 mètres, à 73 mètres, à 32 mètres. Oula, je comprends rien sur ça en fait. Enfin, je m'inquiète de cette interface, comment elle fonctionne. Donc le gros truc orange, c'est mon vaisseau. Ok. Et le truc jaune, ça doit être l'objectif. Ok. Alors, il y a une petite prise en main pour l'interface. Bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le javelin est presque intact. Il y a juste besoin de réparations mineures au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Prostaxos. Les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, je vais le marquer. Excellent. T'as déjà assez de carbone pour fabriquer un pistolet plasma nomade. Une arme de base, mais super pratique. L'imprimante 3D du Javelin n'attend que toi. Ah, et donc je prends pas ça. Ok, donc là j'ai mes missions. Utilise le scanner pour documenter. Rénovation. Fabrique le pistolet nomade avec l'imprimante 3D dans le javelin. Et j'ai assez de ressources. Donc il va falloir pas mal looter apparemment, en plus d'explorer. Et je présume qu'il va y avoir de la baston inexorablement à un moment. Ou un autre. On va essayer de se fabriquer ce flingue. Ça sera la meilleure idée depuis l'invention de l'eau lyophilisée. Oui, je ne rigole jamais à mes propres conneries, c'est connu. Chaque fois que tu retournes dans le Javelin, les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. Très bien. À l'inverse, tout ce que tu déposes au pied du Javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères. Ah, ça c'est bon à savoir. On peut faire des stocks en bas sur la planète. Une barre mégamorphologique ultra-licieuse à emporter de Socket 4. Plus juteuse que jamais, la quatrième source nutritive.
liquide préférée de tout l'univers est maintenant offerte avec Power Booster de Nutra-Minéraux. Platinum Slur plus X-Familion. La nanostructure atomiquement reconfigurable du Grob est capable de recréer... Voilà donc ce qu'il y a dans le Grob. ...illimité de plats et de boissons directement dans votre bouche et directement dans votre estomac. Satisfaction optimale et commodité incomparable. Oh, avec des textures bon ça vaut du rêve. Bœuf, poulet, maïs, mousse au chocolat, bonbon dur, hamburger chili bacon, mayonnaise au wasabi, ciboulette, casserole de city, parmesan, crème glacée à la vanille, bang long john, serpent salisbury, pasta paisano, aile de poulet à la banane, biscuit pour chevaux, pizza à l'ananas, poutine à la rate d'agneau, wonton... Non, la poutine. Oh, kiss me. Fais pas ton snob, mange du grob. Allez, mangeons du grob. Ça fait trop réaliste la fin avec la petite mention en accéléré que personne écoute, que personne comprend de toute manière. Et du coup, c'est n'importe quoi. On va se servir de cette imprimante 3D. Prêt à fabriquer. Allons-y, Alonso. Oh oui, un gun. Left pour viser, right pour tirer, Y pour un recharger. Il y a une arme maintenant, l'outil le plus primordial de tout bon colon. Alors je peux voir tous les trucs que je vais devoir looter. Bon, il y en a quelques-uns, pas énormément, ça va. C'est gérable. Et ici, si j'ai besoin d'augmenter ma pétoire, je vais avoir des améliorations apparemment disponibles. Mais qui vont demander des ressources. Donc il me faut des bleus et des jaunes, je sais pas trop ce que c'est, mais je vais me démerder. Et ça, je peux booster le tir avec ça, mais il faut que je 100. Et l'autre, c'était combien? Voilà, oh c'est pas pratique ça. 100, 100, 100, 300 quoi. Ok, bien. Ah bah, c'est écrit en haut ce que c'est. Du carbone et du silicone. Avec du silicone, moi je fais autre chose, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. On va regarder un peu dans les menus tout ce qu'il y a. Le journal, donc, toutes mes quêtes, tout le bordel que je dois faire. Secondaire, j'ai quoi? Non, rien. Ok. Personnage. Arme. Objet. Je vais peut-être pouvoir être amélioré. Équipement. Sac à dos. Oui, parce que j'ai que 3 places dans mon sac à dos pour commencer. C'est dramatique. Visière, ça va peut-être permettre de changer de spectre pour voir des choses qui n'apparaissent pas avec le spectre par défaut, allez savoir. Et le Kindex qui est ben, tout ce que je vais découvrir sur cette planète que j'aurai scanné. Ok, tout c'est clair, tout est limpide. On y retourne. Trouve la sortie des cavernes de glace à l'aide de ton arme. Ben, ça c'est pas trop compliqué, ça va, je devrais y arriver. Je vais essayer de flinguer une bestiole, voir ce que ça lâche. Parce que là j'ai vu qu'elle lâchait des petits pets, il est bizarre ce flingue. Et peut-être que ça fait autre chose. Si je les flingue. Allez savoir. Piou 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 piou. Ouais, ça lâche autre chose, c'est pas la même couleur, c'est jaune, jaune, du bleu. Alors il va falloir apprendre au fur et à mesure, je présume, comment fonctionne tout cet petit univers. Puis je présume qu'il n'y aura pas que des trucs gentillés comme ça, si on n'est pas complètement idiot ou naïf. Ah, il n'y a vraiment que 3 places dans cet inventaire, c'est dramatique. Alors j'ai 8 balles dans ma pétoire. Il faut pas que j'oublie que j'ai le Y pour recharger parce que c'est un rechargement manuel. On va y aller doucement histoire de pas se faire surprendre. Oh oh. Petit arbre là. Je vois complètement le contraire. Je vais tout de suite contacter tes supérieurs. Un instant. Je veux pas lui dire tout de suite parce que je sens qu'elle va me développer des missions complètement capillotractées, on va dire. Est-ce que je scanne? Oui, je scanne. Qu'est-ce que. Ces champignons comprennent plusieurs pelures spongieuses et poreuses en forme de pompons. Ça sert à rien, grosso merdo. T'aurais pu le dire comme ça, c'était plus rapide, mon ami. Alors je vais peut-être reprendre le principe de j'irai. Hein. Donc aujourd'hui c'est j'irai explorer chez vous. Urgent de la part de notre PDG concernant la tour. Tu peux le consulter.
consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. Mais je te reviens dès que je peux, c'est bien entendu, c'est évident. Ces œufs extraterrestres qui sont pas encore éclos font des super trampolines naturelles. Moralement douteux, oui. Efficace, ça c'est sûr. À quoi ça sert de sauter là-dessus? Faut qu'on essaye, hein? Ouais. Ok, et si je les... Ah bah ça splotch, ok. Ok. Alors, je sais pas, je connais pas du tout la taille de l'univers. Quand je vois ça, je me dis ça va être grand, parce que aller là-bas, ce qui est sûrement mon objectif, ça m'a pas l'air si proche que ça, bien que ce soit très délimité. Et puis, la topographie de l'endroit est quand même très spéciale. Qu'est-ce que c'est, ça? Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes. Vas-y, mollo. Je crois que mon IA me connaît très très bien. Allez, hop, on va faire un petit tour réglementaire parce que pour l'instant on voit la végétation, on voit les objets, mais j'aimerais bien rencontrer des gens. Oui, je suis comme Antoine. J'irai dormir sur cette planète ARY, je sais plus, 2410. Alors, il y a encore des petites bestioles là-bas. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? On va explorer, tranquille. On va éviter de se faire des ennemis, donc je vais pas tirer à tout va sur les premiers trucs que je croise, à moins qu'ils m'attaquent. Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches. Peux-tu les scanner? Enfin, j'ai pas trop envie de... C'est peut-être bien que ça existe plus. Vu la taille. Parce que je me sens un peu humble. Oui, le péniton est humble, vous le savez bien. Alors ça, c'est des plantes pour se remettre de la santé, je crois. Ok. Et ça, c'est quoi? Calmons-nous, les gars. Il fait quoi, là? Il a posé un caca, lui? Je peux le temps de dire ce qui m'a marqué. Allez, arrêtez de bouger les gars. Froid et attachant, ok. Et ça c'est... Peut-être que si on mélangeait ce truc orange avec ta réserve d'oxygène, tu pourrais modifier son effet sur toi et comme ça, tu supporterais mieux le climat local. Mais les effets à long terme sont inconnus. T'as pas décidé si tu veux l'avaler. J'ai pris un aller, j'ai pas trop décidé pour le retour, hein. Donc on va en profiter. Je me sens super bien. Il y a tous les petits trucs qui sont affolés autour. C'est un peu nawak. Où c'est que je dois aller? Où c'est que j'ai des objectifs? On va regarder ça. Allons trouver cet allège extraterrestre une fois que je l'aurai ramené. Mais... Donc en fait, pour l'instant, j'ai juste à me soucier de ramener des ressources, du carbone et du silicone, surtout, il me faut. On va faire ça. Je vais flinguer un peu tout le monde, ou flinguer ces trucs, je sais pas où c'est que je vais trouver mes ressources. Parce que j'ai pas encore l'habitude du jeu, et j'ai pas encore identifié quoi servait à quoi. Oui, je tire dans des caca, oui, mais je suis comme ça, moi. Je saute dedans, même. Hop. Mais le plus drôle, c'est celui-là, quand même. Hop là. C'est vraiment n'importe quoi. Alors je pense que le début dans le jeu va être très très long, parce qu'on est en mode découverte, et il faut donner une équivalence à chaque chose qu'on va rencontrer. Parce qu'il y en a qui vont servir, il y en a qui vont pas du tout servir. Je sais pas ce que... Ah oui, ça me fait des ressources si je les flingue. Je vais être honnête avec toi, je me sens un peu mal. Ils sont tellement cute, puis plein de jus. Oui, je vais flinguer un peu tout ce qu'il y a. Moi je suis pas un écolo. Je sais pas ce que c'est ça. Un bout de... Un œil. Boing. Ok, ça c'est de la santé, ça je m'en rappelle. Je vais faire un petit tour là-bas.
Why buy just a video game from Atari or Intellivision? Invest in the wonder computer of the 1980s for under $300, the Commodore VIC-20. Unlike games, it has a real computer keyboard. With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games, too. Under $300, the wonder computer of the 1980s, the Commodore VIC-20. Coming soon, Commodore brings you Gorf, the Wonder Arcade game, and Omega Race in home versions. Commodore. Alors j'ai mes drones qui étaient supposés me conseiller, qui me conseillaient absolument que dalle. Je suis lâché comme n'importe quel nigo sur cette planète et je vais aller chercher ce bout de bonus là-bas. Ce qui est une très bonne idée. Non, pas aujourd'hui. Je sais pas si c'est hostile, mais c'est, de toute façon c'est étranger, c'est hostile. Hein, on va prendre le réflexe de certains gens qui ont très très peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Oui, les xéno quelque chose. Alors, pense à recharger Y, parce que c'est super long à recharger. Ramasse tes ressources. Et je ramasse du silicone. Et je ramasse de l'aluminium. Je suis joie, quoi. Et il y a même un truc planqué là. Enfin, très mal planqué. Alors, mon erreur, ça a été de ne pas scanner ces bestioles. Elles sont donc absentes de ma base. Et je vais peut-être me faire engueuler un jour ou l'autre. Moi, je tire sur tout ce que je vois. Hein. Bah, je suis le vrai chasseur. Il y aurait des mecs qui passeraient en VTT, je me les ferais, quoi. Flolusque, pas des excréments, l'autre, ok. Je vais éviter de me baigner dedans, j'ai très très bien compris le message. Et ça c'est... je me rappelle plus. Pour la santé. Ouais, c'est ça. Ok. Je sens que le début va être laborieux. Et intéressant à la fois, c'est ça qui est rigolo. Alors je surveille le chrono. Oh là là, le chrono, on est quasiment à 30 minutes, je sais pas si je vais faire du montage. On va dire que... Alors, j'ai mon curseur qui est, ouais, qui est droit devant. Ça met 10 plombes à recharger, ce truc. Heureusement que j'ai rien de très hostile pour l'instant, parce que sinon, je paniquerai. Alors, c'est rigolo, parce que c'est vraiment plein de couleurs, ce jeu. Avec des bestioles complètement... pas très probables. C'est l'enfant de quatre bouches. Les vieux le savent. Normalement c'est no words, no. Mais là c'est non, les vieux savent. Feuille si peu peu, si réduxuriant. Qu'est-ce que c'en est, hein? Même si cette fourmilière est démesurément grande par rapport aux fourmilières terrestres. Mais qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette IA. Bon, m'a pas l'air d'y avoir grand chose de méchant là par là. On va aller jeter un petit œil curieux. 138 mètres, 135, c'est pas très loin. Si personne me saute sur le rable, ça va bien se passer. C'est tout, on n'a pas l'air d'être des excréments quand même. Hein. Je veux pas faire mon médisant, mais... Ah, et drôle de bruit quand même des fois. Merde. Ah, lui, il a décidé de me gonfler. Il est parti où? Piu piu piu! C'est vrai? C'est dangereux ça? Non. Oh. Le jeu me bullshit, j'ai l'impression parfois. Je vois pas ce que t'appelles normal sur cette planète, mais bon, on va le mettre. J'ai un objectif droit devant, apparemment. Courir. Il est parti où, cet objectif? 38 mètres. 36 mètres à droite. Et je suis dans un cul-de-sac.
Là 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 là, malheur je suis. Ça, ressources de carbone, ok, faut que j'enregistre. Comment je fais pour y accéder à cet endroit là? Va falloir faire un grand tour, ou alors c'est quoi ça? Le grappin! Si t'as un grappin, c'est là que tu devrais le lancer. Je suis en train d'élaborer un schéma pour t'en fabriquer un. Ok, donc va falloir que je trouve les ressources pour faire un grappin aussi. Mais je vais finir en Lara Croft, moi. Alors, il me faut plein d'alliages. Localise et prélève l'échantillon requis. Je sais pas où il est, je suis en train de suivre sur la carte et puis... Il veut pas se dévoiler. Et si j'ai besoin du grappin, bah j'ai pas encore le grappin, donc je suis un peu dans la... Un peu. Ah mieux. Ah oui, faut pas que j'oublie de ramener des ressources. Donc va peut-être falloir que je tue de ces charmantes créatures hein, aussi. Ça peut arriver. Et je sens le... Non, on veut pas que j'aille là. Il doit y avoir un méga trou. Eh mais... Ah, je vais ressortir ma scène classique. Vous êtes prêts? Eh papy? Papy? Il n'y a pas de sol? Oui, Eddie Murphy, loisir. Mais... Il y a beaucoup de choses bizarres, quoi. Il faut comprendre cette planète. Donc, apparemment, cette planète est plate. Ce qui va satisfaire pas mal de terriens. Ces bananes veulent des graines de grappin. Donne-leur ce qu'elles demandent. Ça doit faire peut-être des petites passerelles, je sais pas. Il doit y avoir un truc à faire plus loin, on verra. De toute façon, j'ai déjà vu. Si je flingue ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un gros splotch. Et ça donne pas de ressources. Je vais éviter de les buter, c'est de la méchanceté gratuite. Si c'est évitable, on va éviter. Et ouais, regardez-moi cette passerelle là. Et là-bas, il y a des trucs qui je sais pas quoi. Alors le démarrage dans le jeu est très très rigolo parce qu'on s'attend pas du tout à un univers comme ça, très coloré, très chatoyant. Et avec des personnages un peu mimu, comme j'ai l'habitude de dire. Oui, mimu. C'est-à-dire mi-mignon, mi-muton. Serait-ce un passage que je viens de trouver? Ce serait une très très bonne nouvelle, ça. Il faudrait que je me débarrasse de ça. Alors, le truc qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de map. On a juste les curseurs d'indication, là. Ouh, quand il m'a barbouillé, je peux plus lui tirer dessus, lui. Ça, c'est cool. Pour moi, surtout. Ah. Recharge. Recharge. Eux, ils sont pas cool. Notch. Il est où le 3? Il y avait un 3. Je t'ai vu. I see. Non, faut plus que je fasse du DM. Nanana. Hop là, plop. Recharge. J'oublie tout le temps de recharger. Alors du coup, je me suis égaré parce que je me suis fait distraire et je sais plus du tout où je suis sur la map. Et crotte, quoi. Bon. Ah oui, puis quand il y a des trous ici, il y a des trous, quoi. C'est pas des semblants de trous. Et je pense qu'il y a vraiment pas de sol, hein, comme disait Papy. Comme je disais à Papy. Objectif, qu'est-ce qu'elle me raconte Qu'est-ce que me raconte mon radar? Un truc à 300 mètres, là-bas? Ah, j'y suis pas encore, Bali. Bah oui, mais non, mais là, je passe pas, là. Qu'est-ce que tu crois? On va essayer, mais je le sens pas. Endurance limitée, hein, je le rappelle. On peut courir bah, le nombre de secondes que je viens de faire. Ah si, on peut passer. Oh, étrange. Ça vend du rêve. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un plant de tomates géante. Qui fait tomber des tomates pour assommer les touristes, je sais pas. J'arrive pas à les scanner. Arrête de bouger. C'est bien ce que je vous ai dit. Moi, on va aller voir dans la grotte. Déjà, c'est plus simple. Le plus simple d'abord. Merde, je me trompe toujours de touche. Alors, refuge glacé de Cairn.
Oui, je prononce super bien. Je maîtrise 217 langues aliens plus 3 dialectes dérivés. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Ok, un petit bonus pour Bibi. Non, ça, ils s'en foutent. Toi, tu brilles beaucoup là-haut. Qu'est-ce que c'est celui-là? Eh, c'est peut-être pas le même modèle. Ok, ils sont pas méchants. Mais ils sont. J'espère qu'ils sont pas contagieux parce que. En parlant de virus, je pourrais vous ramener des souvenirs si vous voulez sur Terre. Et ce sera autre chose que vos trucs. Ok, donc ça doit être bon. Mais si je le fais tomber, les trucs ils vont tout y bouffer, je présume. Je vais essayer de les distraire. On va utiliser cette technique-là. Il me reste une canette de schmurgle, de grolt, de je sais pas quoi. Allez, va chercher Bibi. Moi, je vais me faire ça. Non, ça fait rien. Ça a l'air dégueulasse que tu viens de ramasser, c'est tout mou, ça rebondit. Merci de m'encourager, merci beaucoup. Ah, ils arrêtent pas de louffer quand ils ont mangé ces trucs. Alors pour l'instant, ils louffent des ressources, mais je doute pas qu'à un moment, je vais tomber sur des bestioles qui vont louffer carrément des trucs toxiques pour moi, quoi. Je sais pas ce que c'est, ça. Et je sais surtout pas où je passe. Plutch. Et moi, j'ai pas le droit de les ramasser, ces trucs. Ok, c'est juste pour les piafous. J'en fais péter 2-3, hein, ça m'amuse. Oui, l'esprit chasseur, toujours, hein. Bah, il n'y a pas de VTT sur cette planète, faut que j'en profite. Ah, si je les charge quand même, ils deviennent offensifs. Ils sont pas débiles au point de servir juste de gibier de potence. Ok, les ressources, j'en suis où, moi? Plus 15, je vois où, mon total? 177. Ok, et 34. Je pense qu'il en faut 100 de l'autre. On va continuer l'exploration, hein, tranquillou. Bon, ça repousse ça en plus. Ouais, c'est dingue. Allez, recharge. Hop, et on y va. Assez joué dans cette grotte. Alors, je regarde le compteur. Ouh là là, le compteur avance. Ah, va falloir que je fasse une coupure bientôt. Est-ce que je peux monter à 16? Je pourrais jamais monter tant que j'ai pas moyen de monter là-haut. Ok. Bon, tant pis pour moi. On va essayer de pas se faire écraser par une tomate géante. Puis je vais probablement faire une petite pause par là. Ou retourner au vaisseau, ce serait plus simple. On va juste jeter un œil par là. J'ai pris quoi, sérieux les gars? Ah mais y en avait encore une là. Oh putain. My bad. À manger vite. Là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'accord. Ça c'est bien. C'est que t'es plus difficile à tuer parce que la plupart de tes os ont été remplacés par des tumeurs cosmiques dures comme la roche. Mais bon, deuxième bonne nouvelle, tes partenaires potentiels aiment les tumeurs. Mes partenaires potentiels. Je redoute de découvrir la suite. Allez, on va rentrer au vaisseau. Et puis on se fait la suite du... Qu'est-ce que c'est? Ah mais ça me sert d'arme ça? Dans la main gauche, donc, j'ai ce qui sert d'appât, apparemment. Et dans la main droite, j'ai ce qui sert d'offensif. Ok. Ok. On va faire ça. On va laisser tomber les tomates. Laissez tomber les tomates. Plotch. Et on va tracer. Wouh! Il faut même pas marcher dedans, c'est fou, ça. Hop là. Et je vais vite retourner au vaisseau, et puis on va faire la pause là-bas. Pousse-toi, toi. Je sens que je m'égare. J'essaye. Bon, là, je sais que ça te tente, mais ce saut-là dépasse clairement les limites de tes capacités actuelles. Mais t'inquiète, les cartographes ont trouvé le gisement d'un fluide très rare qu'on pourrait synthétiser pour en faire du carburant à propulseur autonome. Concentre tes efforts oh, oui. d'exploration là-dessus. C'est exactement ce qui me manque, un jetpack. Ok, donc ça c'est mon petit truc. Mais j'ai fait ça, j'ai récupéré il me semble.
Allez, on va suivre connement. Attention le trou, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la découverte au début est quand même rigolote. Remplie de viande et de... Ouh là là. Comme je disais, il y a une phrase d'apprentissage de toutes les choses qu'on va croiser qui m'a l'air assez conséquente. Pousse-toi, toi. Petit. On dirait qu'il est tombé de la tour voisine depuis au moins 400 ans. Chim-chiminé. Je vais jamais arriver à faire la pause. Regardons voir. Je suis à 100 mètres d'un objectif. Le problème, c'est que plus je change de zone, plus le jeu m'invite à... Ah, vite! Où qu'il est, le gros? Viens là. Hop. Me prends pas pour ce que je ne suis pas. Ok. Piou. C'est vraiment très drôle le démarrage. Prends d'y penser, oui. Voilà, 3 c'est léger quand même. Hein. Alors, je sais pas si j'y plains que ça. C'est des gisements de quelque chose, oui. Non, oui. Ouf. On va aller voir ça. Je peux pas le scanner. Non. Activer le téléporteur. Ok, il y a des téléporteurs donc qui vont apparaître au fur et à mesure, parce que j'étais en train de m'inquiéter, de me dire si à chaque fois on doit se faire les allers-retours jusqu'au vaisseau quand on remplit différents objectifs, vu que le vaisseau est un peu immobile, je présume, ça va pas être évident. Cristaux géants, extérieur du javelin, module d'habitation, bon, on va aller directement dedans et on va se quitter là-dedans les aminches. Intérêt que ça me tente, très cher. Où est mon imprimante? Allez hop, au boulot. Alors, je peux me fabriquer des choses pour améliorer mon arbre. Et puis c'est tout. Amélioration de sac à dos, ça c'est important parce que 3 items c'est vraiment trop short. Équipement, aller plus haut, je peux avoir un super jump, il faudrait quoi? Je peux pas le faire ça. Arme. Je peux améliorer. Yes. Je vais avoir une arme de killer. Ok, donc maintenant j'ai un tir chargé apparemment. Et on verra la suite au prochain épisode, les amis. Et oui! Je veux que tu transmettes ces données directement à moi, ok?
J'ai déjà mis à jour ton protocole de transfert. Ça va être notre petit secret pour l'instant. Alors, c'est le message que j'ai dû recevoir du boss. Je vous épargne la publicité et on le verra au démarrage de la prochaine session dans ce jeu monstrueux. Et très très coloré, il faut avouer quand même. Ok, Journey to the Savage Planet. Je vous dis rendez-vous mardi prochain, en toute logique, et on continue l'exploration pour voir où va nous emmener cette aventure. Je vous laisse avec la playlist générale, la playlist des shmups, le bouton d'abonnement et beaucoup d'amour, bien entendu. A bientôt, ciao.